Ok les gars, ben re les amis, et ben c'est reparti pour l'épisode 5. L'épisode 5, je crois bien, de Minecraft Hardcore Extrême Survie, what the fuck, de ouf, c'est trop dur, on n'en peut plus. Voilà, va falloir que je trouve un vrai nom à cette série quand même, au bout d'un moment. Donc alors, l'objectif de cet épisode, je vais vous le dire. D'abord, je vais vous dire ce que j'ai fait un peu en off, vite fait, parce que bah, ça prend trop de temps. Et du coup, j'avais envie de d'avancer un peu en off parce que c'est des trucs qui ne servent à rien en vidéo. Dans tous les cas, je le coupe et tout, donc ça fait beaucoup de coupures. Donc j'ai fini les douves de lave, j'ai fait tout le tour. Voilà, j'ai creusé, quoi, voilà. Ensuite, j'ai fini les murs, comme vous pouvez voir. Voilà. Avec tout ce que j'ai récupéré, hein. Là, j'ai décidé de descendre ici à deux partout, comme ça c'est plat. Avec tout ce que j'ai récupéré ici, j'ai comblé ce qui manquait ici. Tout ce que j'ai récupéré en faisant la douve. Il y avait de la pierre aussi, j'ai fait fondre, etc. etc. Et j'ai fini l'enceinte de la forteresse du coup. Donc, objectif de cet épisode, il faudrait se crafter une carte. Pour ça, on a besoin d'une boussole et du papier et tout ça. Il faudrait se crafter un sac à dos. Donc, pour ça, on a besoin d'or. Pour la boussole, on a besoin de redstone. Il faudrait se crafter un. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Un fusil à pompe, simplement. Comme ça, on va arrêter d'avoir peur. Et puis, je crois que c'est tout. Normalement, je crois que c'est tout. Donc, objectif, carte, sac à dos, fusil à pompe. Et pour ça, évidemment, il va falloir aller miner. Pour trouver de l'or. De la redstone, et je crois que c'est tout. Pour le sac à dos, il nous faut de la laine, donc il va quand même falloir fumer ce fameux mouton. What the fuck, toi, casse-toi. Regarde-le, ce voleur, il avait volé du charbon quelque part. Donc il va falloir aller fumer un mouton dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Et il nous faut du cuir aussi pour le sac à dos. Donc il va falloir aller éclater des vaches aussi. Ou autre chose qui donne du cuir. Je crois que ça donne du cuir d'ailleurs. Vas-y, go. Hein. Go. Vas-y, toi là. Et là. Tu tombes à point nommé, mon ami. Ça donne du cuir et de la boue. On peut s'en faire des élevages de ça. Mais bon, c'est un peu gros quand même. Voilà, du cuir. La mercère. Voilà, ça dégage. Et là, une bonne nourriture en plus. Voilà, pour faire un élevage de ça, c'est quand même un peu massif. Ah, l'oiseau, tais-toi. Tais-toi, me casse pas les oreilles. En gros, j'ai envie, en tout premier lieu, d'avoir une carte. Vu qu'il faut qu'on fasse une carte du monde et tout ça. Quand on part en exploration. Mais, oh là là. Quand on part en exploration, en gros. Si on a déjà une carte, on commence à avancer sur cet objectif. Donc, l'objectif principal, c'est Redstone. Dans un premier temps. Oh là 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 là, j'ai la dalle. J'ai la dalle. L'inventaire. Tac. Ça là. Eh merci. Si on mangeait du poulet, tiens. On en a qu'un. Voilà. Eh merci. Là. Voilà. Donc ouais, quand on partira en exploration pour tuer des moutons et tout ça là, il faut d'abord avoir que sa carte. Comme ça, l'exploration, on commence déjà à faire la quête de l'explorateur. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert les seaux. Les seaux d'eau. Hein. Alors ici, hein, c'est la caverne qu'on a trouvée la dernière fois. C'est la caverne qu'on a trouvée la dernière fois, ça. Et une chèvre, non, c'est pas un mouton, je crois que c'est une vache d'ailleurs. Bah les seaux d'eau en fait ça sert à ça, je vais pas utiliser le mien, mais en gros ça sert à ça. M'a fait un peu peur cette histoire. On va farmer du fer. Voilà. Bon évidemment il va y avoir plein de bestioles. On va être au taquet. Aux aguets, taquet aguets. Faut qu'on creuse des galeries en fait.
Voilà. Tac. Oh, on n'y voit quand même rien, hein. C'est incroyable qu'on n'y voit rien. On va creuser bah, par là, écoute. Hein. Si vous voulez. Hein. Vas-y, toi, mon pote. Touche-moi pas, wesh. Bon, on va creuser jusqu'à la couche 11, à peu près. C'est celle du diamant, c'est celle de la redstone. On se rapproche de la lave. Qui dit lave, on est à la couche 8. On est à la couche 8. Ok. Wow, ça c'est dangereux ça. Ça c'est extrêmement dangereux. Et là j'aurais pu crever, par exemple. Faut qu'on passe au-dessus de la lave, pas en dessous. Sinon tout nous tombe sur la tronche et on finit brûlé vif. Ça j'en ai besoin, ce genre de pierre là. Ce genre de pierre ça aide à crafter les armes divines. Du mode God's Weapon. C'est assez important. Elles sont chiantes à récupérer par contre. Ça met 2 heures à les former. Bon. Là ce que vous entendez dans la lave c'est juste un poisson. Hein. Un poisson qui fait beaucoup de bruit mais ça reste un poisson. Beaucoup de bruit, pas grand chose quoi. Voilà, ce poisson-là. Ok. Alors. Là, c'est le moment de ne pas faire d'erreur. Ok. C'est pour ça qu'il faut jamais creuser en dessous de soi. Hein. Alors, vu qu'on a un seau aussi là. Voilà. Ça aide pour la lave. Désolé si je tire. J'ai vu sur les vidéos là. Je tire des gueules quand je joue à ce jeu, c'est incroyable. Mais c'est juste qu'en fait j'y vois rien. Ce bruit, c'est le poisson qui est en train de crever. Évidemment, ça n'est pas notre problème. Faut que j'essaie de. Oh, c'est tellement bruyant, mon dieu. Vas-y, ta gueule, le poisson. Voilà. Il y avait du fer. Si on peut se mettre bien en fer aussi, on prend, hein, évidemment. Il y a trop de bruit, wesh. Pareil, jamais creuser au-dessus de soi. C'est pas bon du tout. Oh my god, quel bordel! On est à la couche combien là? 14. Il devrait y avoir de la redstone ou des trucs comme ça. Hein. Oh, y'a rien. Là encore, la chance qu'on a eue c'est que c'était un poisson qui avait dans la lave. Il aurait pu avoir un. Je sais pas comment on peut appeler ça, un golem de lave, genre. Ça pour de bon, ça rigole zéro. Hein. Ça c'est de l'ambre. On n'y voit pas grand chose quand même, non. Truc c'est que je suis obligé de faire 1 milliard de torches pour vous, parce que vous y verrez rien en fait. Si je mets pas des torches de partout. Moi j'y vois un petit peu, c'est pas énorme hein, mais j'y vois un petit peu. Et merci. On va récupérer du charbon parce qu'on en a plus beaucoup à la maison. Ça c'est des. Ces pierres là je vais les récupérer aussi. Ça là, ce genre de pierre. Qu'on voit un peu partout, ça c'est en gros des fossiles qui servent à la confection du portail pour aller dans la dimension des dinosaures. Donc c'est assez bien de les prendre, j'y pense pas trop. Parce qu'on en a croisé plein depuis le début. Tac. Et ouais, mais c'est pour ça. C'est parce que, tout simplement, je suis tout le temps rempli de merde. C'est pour ça qu'il me faut un sac à dos. Ouais, bon, on va prendre ça. Du coup, il n'empêche qu'il nous faut de la redstone. De la redstone, guy. Ça, c'est du fer là-haut, on s'en fout. Petit peu de. Aïe. Ça, on prend. Ça, on prend. Ça, on prend. Voilà.
pense que ça suffira. Il y a des squelettes qui me marchent autour là. Je sais pas trop où ils sont. Alors oui, du coup en gros faut pas creuser en dessous de soi. Je vous explique un peu les bases là, de la survie. What the fuck? Et toi? Oh, pas faux. Les bases de la survie, en gros faut pas creuser au-dessus de soi. Parce que s'il y a des blocs. Aïe! T'es même une. T'as mis une patate lui. S'il y a des blocs par exemple de gravier. Des blocs de gravier comme ça là. Et qui vous tombent dessus, en gros vous mourrez étouffé. Ça on s'en fout. On a du cuir du coup c'est bon. La ficelle, ça on s'en fout aussi. Ok. Du coup vous mourrez étouffé dans le gravier. Ou s'il y a de la lave, ben, vous mourrez brûlé. Il faut pas creuser en dessous non plus. Parce qu'en dessous, en fait, vous pouvez tout simplement tomber dans la lave. Oh, danger là, on sait pas ce qu'il y a. N'empêche qu'on veut toujours de la redstone. On a toujours pas eu. Y a de l'eau au-dessus. Je la couche combien? Couche 17, je suis un peu haut. Non, ça m'intéresse pas. En vrai, là, c'est relou quoi. On voudrait de la redstone, y a rien. Va falloir creuser dans la roche. Ah, y a une galerie à côté de nous, hein. Mais la couche 15, presque. Le truc, c'est qu'ici, ça fait un raffut de tous les diables. Alors, déjà, c'est pas mal. Re, du coup, re. Déjà, c'est pas mal. On a juste miné un petit peu dans cette direction depuis où on est arrivé. Et on a trouvé de l'or. Ça, c'est pas mal. Donc, on va prendre cet or. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça? Ça? Ouais, il y a moyen. Hein. Là, je m'en rappelle un petit peu du coup. Tac, allez. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'or. Ok, j'ai pris de la merde. Attends, quelle est ma merde? Il y a un truc qui va pas là, qui sert à rien. Peut-être ça. En vrai, ça, on s'en fout. Voilà. Donc, du coup, un peu d'or. Donc, qui dit or dit il y a quand même quelque chose. Somme toute très rare, mais il y a des trucs à trouver. Hein. Moi, je continue du coup. Bon, bah, on se retrouve juste 3 secondes après. Là, j'ai trouvé une petite galerie grâce à son de l'eau là. Grâce à l'eau que j'ai entendu. Vas-y! Et du coup, il y a deux diamants ici. Donc, ça, c'est cool. What the fuck? Le jeu ne crache pas maintenant. Je t'en supplie. Vas-y, par contre, l'eau, ça rend ouf. Ça rend gueule, hein. Faut que j'aille boucher ça. Waouh, on voit plus rien. Même moi, j'y vois rien là, je vous le dis. Tac. Voilà, on sera plus tranquille déjà. Ah, on bouffe un coup. Bon, bah, du coup, on va récupérer du diamant. Ça, c'est bien. Il y a un minimum 2. Donc, on pourra se crafter une épée. Minimum. Il y en a plus que 2. 3, 4. Voilà, alors on va pas garder cette merde par exemple. Diamant. Voilà, très bien. Je prends encore ces petits fossiles. Par contre, on a toujours pas de redstone. Le diamant c'est très bien, hein. Je crache pas sur le diamant. Hein. Mais il nous faut de la redstone. On a eu de l'or qui sert à faire le sac, je crois. Je crois que l'or c'est le sac. La redstone c'est la carte. Et du coup, on va pouvoir faire le sac. Ah non, putain, il nous manquera toujours ce fameux mouton. Et quand on va trouver un mouton, on va le faire souffrir. On va le tuer sale à coup de poing, je crois. Ok, plus qu'un. Voilà. Ok. Ça, c'est de la terre. On va creuser là, du coup. C'est facile à creuser la terre. J'en ai l'habitude, hein. Bon, bah, pareil, hein. Je vous reprends si je trouve un truc. Ça me porte chance de vous dire ça donc. Yes! Alléluia, c'est bon. Je vous reprends du coup. Pareil, j'étais juste à cet endroit-là où je vous dis que ça me porte chance. De la redstone du coup. Regardez-moi ça.
petit peu de redstone. Donc la redstone, ça va servir à faire la carte. Je vais arrêter de creuser parce que si s'il y a de la lave ou quoi, que tout tombe dans la lave, ça va me foutre les boules. Ça, est-ce que ça sert à quelque chose que je le garde en vrai? En vrai, ça là, ça sert à rien. Voilà. Ça non plus du coup. Voilà, de la redstone. Bon, bah écoutez les gars, voilà. On a. Il faut que j'arrête de faire cette tranche. Je me vois faire cette tête là. Froncer les sourcils comme ça. Enemy? Non. What the fuck? Et du coup, ça y est, c'est le jackpot. Bon. Ok. Il y aura pas un petit bout de diamant en plus là? Non? Vite fait. Je prends moi. Hein. Du fer. Quelque chose là-bas. Attends, on va poser ça là. Je suis en train de me perdre, mais totalement quoi. Ah, du coup, cet épisode, je pense que il va être divisé en deux, hein, parce que là, ça fait un bail, hein, non? Ça a commencé tout ça. Bon, on continuera l'exploration plus tard de cet endroit, c'est pas mal. On a quand même une espèce de mine gigantesque sous les pieds, hein. Ok. Alors, y a quoi là? Vas-y, rends pas fou toi, rends pas fou là, c'est bon. Je te dis, je te viens vénère là. Reste là, j'en ai déjà 60, j'en ai déjà au max. On s'en fout, on va le laisser. Ça en prend. C'est quoi ça, c'est une espèce de galerie souterraine? Une grotte? Vas-y. Pareil, rends pas fou l'eau. Elle vient d'où cette eau là? Là? Voilà. Bon allez, vas-y, on s'arrache. Bon, on s'arrache. Je vous reprends quand je suis à la surface. Je rentre à la casa. Ok. Bon bah je vous reprends du coup. On a fait le voyage de nuit. On a couru comme des dégénérés. Et on va juste poser quelques trucs ici là à cuire. What the fuck, boy? On va pas rien poser en fait. C'était un loup-garou ça. On pose rien du tout. On attend qu'il fasse jour. Ça limite le pop des monstres. Tout simplement. Donc voilà. Ça c'est bon. On va rajouter un peu de charbon là-dedans. 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 Ok, bon ben voilà, je pense que ouais, on a tout fait, on est allé chercher en tout cas les matières premières dans cet épisode. Du coup ouais, vous comprenez là, je sais pas combien de temps ça fait la vidéo, je sais pas combien de temps elle est, mais ça va faire beaucoup trop long, donc tout le craft et tout ça, on le fera dans l'épisode suivant, dans l'épisode 6. On fera du coup la carte, le sac à dos, le fusil à pompe, on commencera vraiment à s'installer pour de vrai à l'extérieur, notamment dans les champs. Je pense qu'on fera ça, et puis voilà. Donc, bah écoutez les gars, ça s'arrête ici. C'est une mission réussie. Et du coup, bah ciao guys.